11 célibataires coupés du monde. Angela, Laurine, Julia, Félicia, Karine, Kamel, David, Leslie, Thomas, William, Sandra. Filmé dans un loft de 250 mètres carrés, 7 jours sur 7, par 27 caméras et 50 micros. Dans 11 semaines, ils ne seront plus que deux. Quel sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien de Love Story. Vous le savez certainement depuis hier, nous comptons 11 lofters en effet. Deux nouvelles candidates ont intégré le loft. La première, c'est Sandra, notre Miss N, choisie par les 5 garçons, sans doute influencée par cette distinction. Je vous rappelle que leur choix s'est effectué à l'aveugle. Et la seconde, c'est Laurine, notre foraine, qui a obtenu la faveur du public. Afin d'accueillir les nouvelles colocataires dans un loft propre, nos amis ont consacré la majeure partie de leur journée aux tâches ménagères. Et cela annonçant quelques chamailleries. William était très actif. Non seulement il s'est réveillé, bonne nouvelle, mais en plus, il est rentré immédiatement en action dans la salle de sport. Il a même initié ses camarades à une danse très particulière. En début de soirée, il ne restait plus qu'à accueillir Sandra et Laurine. Voyons quelles ont été les réactions à chaud. Vas-y, laisse-moi mettre la table. Mais non, mais je vais la mettre à table après. Kamel, arrête de me prendre la tête. Quoi, hein. Juste la vaisselle. Voilà, je déteste faire la vaisselle. Je te jure, la vie de ma mère, je déteste faire la vaisselle. J'ai horreur de faire la vaisselle. Je suis bien compréhensive, mais moi, je l'ai fait hier pour toi, la vaisselle. Voilà, je la déteste faire la vaisselle. Je l'ai fait pour toi. Et ben, tu me dis non. T'as que les verres à laver. Non, mais une tâche, n'importe quelle tâche, je la fais. Je déteste la vaisselle. Non. S'il te plaît, je l'ai fait hier pour toi, j'ai pas encore la faire. Alors, tu me suces les doigts de pied, les deux. Ça se fait pas, l'esprit. Bah écoute, faire la vaisselle à ta place, ça se fait pas non plus. Tu me suces les doigts de pied. Ça se fait pas. Oh, la vie de ma mère. Vas-y, à genoux. Kamel! Je suis désolée, hein. T'as quand même les verres à laver ainsi que les couverts. Moi, il est hors de question que je refasse pour toi encore. Je suis en train de mettre la table, je te donne un coup de main. Je lave une assiette, je te donne un coup de main. En ce qui concerne le reste, c'est hors de question. Et tu vas laver les couverts parce qu'il n'y a t'as pas vu de couverts. T'as vu? Non, mais attends, je l'ai fait pour toi tout à l'heure. Ouais, c'est pas mieux. Encore aujourd'hui? Franchement, je t'aime beaucoup, mais voilà, franchement, je pense pas. Tu sais, moi, je veux dire, non, avec moi, que des surprises. Tu me diras ce que tu veux, que des surprises. Tu bouffes les pieds. T'as l'air, je vais te mettre la vie de ma mère. Arrête! Pas, je bouffe les pieds. Non, t'as pris un couteau. Voir, j'ai rien pris. Non, arrête, fais pas de plus, ça m'a fait plaisir à la vie, les chaussures que je kiffe. Ça y est, indirectement, t'as bien fait plaisir les gens, tu vois? Attends, regarde, je te montre. Hier, la palette, t'as tapé une vis, t'as fait. C'est ma chemise de nuit. Regarde. C'est pour dormir. Mais là, c'est parce que. Je l'ai vu, je t'ai vu ce matin. Ouais, mais ça va bien quand même, les chaussures. T'es une petite vicieuse en vrai. Hein. Bah non, pourquoi? Hier, on parlait, t'as mis des meufs comment? Et j'ai dit, ouais, je préfère mes meufs comme ça. Je rêve, place. C'est mes vêtements. Je vais pas. Ça te plaît pas? C'est une chemise de nuit. C'est une chemise de nuit? Ouais. Bon, d'accord. Robe de soirée. Un café. Robe de soirée, tu m'as pris pour une clocharde. Hein? Tu m'as pris pour une clocharde? Non, je reste une robe de soirée. Je vais pas mettre ça pour aller en soirée, ça fait super voir. Mais si, je suis fatiguée. Parce que le Camille va s'énerver. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te regarder. Mais si, je suis fatiguée. En plus, j'ai plein de vaisselle à faire. Non, tu vas faire la vaisselle, je te mets un gros coup de poing. Leslie, je t'ai fait un putain de jus d'orange, bois-le bien. Hé, Leslie,
N'essaie pas de me corrompre, c'est mort. Tu vas faire ta vaisselle. Si, prends des forces. Tiens, bois ton jus. Ça va, David? Le mec qui se bègue en discrétion, c'est génial. Les pouces en avant! Les pouces en avant! Les coudes en arrière! Les coudes arrière! Les genoux qui rentrent! Les genoux qui rentrent! Les fesses qui remontent! Les fesses qui remontent! La tête en arrière! La tête en arrière! Le feu sur la langue! Le feu sur la langue! Et si que ça, et si que ça, et si que ça, un, un! Et si que ça, et si que ça, et si que ça, un, un! Les coudes en avant! Les coudes en avant! Les coudes en arrière! Les genoux qui rentrent! Les genoux qui rentrent! Les fesses qui remontent! Les fesses qui remontent! La tête en arrière! Le feu sur la langue! Le feu sur la langue! Et si que ça, et si que ça, et si que ça, un, un! Et si que ça, et si que ça, et si que ça, un! Les coups d'avant! Les coups d'arrière! Les coups d'arrière! Les coups qui rentrent! Les coups qui rentrent! Les fesses qui remontent! Les fesses qui remontent! La tête arrière! La tête avant! Le souffle à l'ombre! Le souffle à l'ombre! Les qui nous! Les seuls vous restez! Les seuls vous restez! Et en tournant! Et si que ça, et si que ça, et si que ça, un, un! Et si que ça, et si que ça, et si que ça, un, un! Voilà! Bonjour! Bonjour! Ça va? Génial! Je te prends encore là. Mieux que jamais. Excusez-moi, mes très chers, mais faut pas être con, tu vois. Thomas, Karine, bien au bout. Comme par hasard, Karine qui fait les vides de ce côté-là, Thomas qui fait du sport. Eh, hey, Kamel, Kamel. Oh, tu m'en voudras pas, hein. C'est comme ça qu'on fait, nous, tu vois. Tu m'en voudras pas, hein. J'ai remarqué, vous êtes toujours un mètre d'écart, tous les deux. Toujours un mètre, voire un mètre. C'est pas grave, mais mon cœur. Oh là 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 là, comme par hasard, putain, c'est de la folie. C'est grave. Oui, nord ou nous. Faut qu'elles aient un lit, les filles. Bah attends, les gonzesses, elles vont arriver. Elles connaissent personne, elles sont seules tout. Ce serait plus sympa. Ah ouais, alors moi, je dors bien 5 heures. Mais non, mais après, quand elles seront, sympathiques. Non, le tout, c'est que je ne me chauffe pas, là. Mais je suis pas d'accord, moi. Le tout, c'est que quand elles arrivent, elles ont les mêmes trucs que nous. Ah non, mais pourquoi? On s'arrangera. Mais c'est pas moi, je suis pas d'accord, moi, d'accord. Eh ben, c'est quand t'es pas d'accord, on va nous dire. Moi, j'adore, elle démarre au quart de toi. Les plaquettes, là, regarde, c'est propre, ça, il y a des cheveux, là, partout, c'est dégueulasse. Tais-toi. Bon, tais-toi. Les ongles de lessive aussi, ça commence à me brouter, ça aussi. Hé, hey, mais attends, il y a des portes-serviettes, là. Moi, je comprends pas comment tu peux brouter des ongles, tiens, Leslie. Petit coco, Leslie, tes ongles me broutent. Pourquoi elles sont j'ai fait une connerie, donne-moi le balai. Il est là. Parce que t'as que mes ongles, tu veux en mettre. Non, mais ils traînent partout. Bah, tu les mets dans un coin. Dans ton vanity. Oui, si tu veux, c'est gentil. Leslie. C'est propre. Leslie. T'as un problème avec, avec le ménage et ranger tes affaires. T'as un petit problème, je crois. T'as un problème, Lucie. De quoi tu parles? T'as un petit problème. Tu vas mais comment tu oses te manifester? Allez. Vous avez enlevé les matelas, je vais faire mon ménage après. C'est après que je fais le ménage. Non, là, tu ranges bien. Tu rêves, je suis en train de faire la table, je vais faire moi. Tu n'as pas donné d'ordre. Quoi? Tu m'écoutes? Tu n'as pas donné d'ordre. Il ose se manifester, espèce d'inutile, va. Toi, quand t'enlèves les lits, tu les mets dans le jardin, on dit rien. Moi, je vais ranger mes affaires, j'avoue que c'est le bordel. C'est Non, mais je vais ranger mes affaires. Mais... Ceci dit, occupe-toi de tes fesses. Mais c'est le bordel. Oui, mais je vais quand même. Attendez, ils sont pas crédibles. T'as vu le bordel qu'il y a dans la chambre, ils ont sorti les lits. Moi, je vais le faire, là, je suis en train de faire la cuisine. Leslie, je pense qu'elle est gentille. Enfin, je l'ai déjà dit, ça, je crois. En plus, c'est vrai qu'elle est gentille. Elle fait des efforts, mais elle a quand même le cerveau d'une poule. Et donc, c'est assez pénalisant pour elle et pour nous parce que ça commence à devenir en fait invivable. Puisque. elle comprend rien, quoi. Elle comprend pas. Elle croit qu'elle comprend, mais elle comprend pas. Alors, je veux savoir, il est où mon sweat vert? C'est pas moi qui l'ai rangé, vous vous débrouillez, vous êtes trois, vous le cherchez. Alors, je vais pas aller me casser le cul à chercher dans la chambre mes habits que vous avez mal gérés, quoi. Déjà, tu vois. Je suis désolée, je sais pas laquelle de vous c'est, j'ai pas envie d'aller chercher parce que les trois, elles m'ont dit, ouais, c'est pas moi. J'en ai rien à foutre, mais je veux mes sapes. Moi, je vais te dire un truc, j'ai vu les valises de Marlène que Kamel a pris à me ramener dans le cellier. C'est une valise comme as que tu tiens debout.
Non mais j'en ai rien à foutre. Un gros sac comme as et une grosse valise. Je parle de mon sac de linge sale qui maintenant n'a plus mes habits à l'intérieur. Tu vois le truc? Tu mets trois, tu mets deux t-shirts en sweat dans un sac. Comment vous savez que c'est Marlène? Parce que c'est à aucune de nous et que c'est son sweat tigré. Moi, je mets pas des trucs tigrés de pouf là, tigré machin moulant avec de la dentelle. Non, je suis désolée quoi. Je suis désolée. C'est pas mon style. Je sais pas comment vous avez cru que c'était à moi, mais c'est pas mon style. Et mes culottes, elles sont dans un sac spécial. J'avais trois t-shirts, un sweat, et maintenant je me retrouve avec quatre culottes et un haut de pouf là. Je suis désolée. Je trouve ça abusé quoi. C'est tout. Ah, oh, ma bébé. C'est mon petit canardou. Oui, plutôt. Eh ben, dis donc. Laissez, allonge-toi devant comme ça. Oh, j'ai en train de me cramer le cul avec une lampe. Thomas, c'est mieux où, Thomas? Je vois rien, moi, on voit même pas ma tête. Ah, salut tout le monde. Oh, salut. Marlène. C'est Marlène. Vous manquez beaucoup, beaucoup. Marlène, qu'est-ce qui t'arrive alors? Alors, t'es une lâcheuse, tu n'as même pas fait la bise avant de partir. François n'aime pas qu'on fasse la bise. Hey, ça. Je voulais vraiment vous dire que vous êtes admirable. Ouais. Vous êtes très bon à la télé. Ouais. Et vous m'avez beaucoup ému, tous les uns que les autres. Kamel, continue à rire parce que même si je suis pas à tes côtés, je te regarde. Ouais. Et franchement, c'est pas bon ça. Continue, mince. Ok, la paille à koum-koum. Et un coup de koum. Oh, putain, je la vois trop en train de les parler. Et puis Karine, tu m'as beaucoup émue. Je tenais à te dire que je t'ai regardée hier et même si je suis partie, sache qu'on va se retrouver dehors et que je serai là pour toi. Je serai là pour vous tous, chacun un à un, je vais vous retrouver, je vais vous manquer beaucoup beaucoup, je vous aime tous très 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 fort. Ça m'a retourné le cerveau ça, qu'elle nous parle là, j'avais oublié tu vois. Quoi? Elle est partie quand elle? Lundi? Mardi? Elle est partie trop vite. Elle est partie quand elle? Mardi? C'était pas hier qu'elle est partie, c'était avant-hier. Je sais pas. J'ai plus de notion de temps. Hier, c'est avant-hier, puisque hier, Félicien, il faisait pas de sport. C'est le soir où Félicien fait beaucoup de sport qu'elle est partie. Et Félicien, il a pas fait beaucoup de sport hier soir, puisqu'il a dormi dehors. Donc, c'est avant-hier qu'elle soir. Est partie. Avant-hier. Elle fait partie mardi. Et on va être vachement exigeant avec les deux filles qui vont être là ce soir. C'est une fille bien, elle. Hein. Putain, c'est une... Je suis con. Je l'ai pas assez connue, tu vois. C'est pas grave, je la connaîtrai en sortant. Tu préfères avec la casquette ou sans la casquette, franchement? Franchement. Sans la casquette. Mais des fois, la casquette, c'est bien aussi. Tu croquerais plus facilement comme ça qu'avant? Ouais. C'est vrai? Franchement, hein? Ouais. Moi, je trouve. Oh. Espérons que les deux petites diront comme ça aussi. C'est une blague. Non mais dis bien, sans déconner, c'est quoi qui fait le mieux? Le bonnet ou sans? Sans le bonnet. Sans le bonnet, c'est mieux. Sans le bonnet, ça fait... Quand t'es en main, tu veux me montrer que c'est David. Avec le bonnet, ça fait, voilà, David du loft. Tu vois, DZ, garçon. Mets le bonnet pour voir. Regarde-moi. Non, sans le bonnet, c'est mieux, sans le bonnet, c'est mieux. Ça fait classe, sans bonnet. Ça, là, ça fait quoi? Ça fait un peu caman. Là, ça fait comme moi. Les voilà. C'est chaudard. Tu peux prendre une table, j'ai fait table. La fille essaie de monter un plan et tout. Tu peux descendre un petit peu, tu peux pas descendre. C'est Julia, vas-y. Je peux descendre du lit quand même. Non, aussi, pourquoi on attend pas dans le salon? Pourquoi on attend pas dans le salon? Pourquoi on attend pas dans le salon tranquillement? Oh, parce que. Elle va pas arriver toute seule jusqu'à la maison. On se cache tous. Elle descend. Oula, méchante limonade, ça sent le bruit. Regarde les photographes encore. Sécurité. Les cinglés. Sécurité. T'es qui? Il est triste. Je pensais pas que j'allais être triste, franchement. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Je suis Laurine. Je suis bien. Bonsoir. Bienvenue. Laurine. C'est Bruno. C'est moi, c'est Bruno. Bonsoir. C'est Bruno. C'est pas vrai, il n'y avait pas de Bruno. C'est qui, Kenan? Bonsoir. C'est toi? Bonsoir. Comment? Salut. Laurine. Je suis Laurine. Bonsoir.
Elle arrive pique direct. Allez, bois. Ah bah voilà. Merci. Bonsoir. Y a des fans, excuse-moi. Bonsoir. Tu vois d'abord. Bonjour. Je suis Laurine. Deux belles blondes. Ça a été. Elle était super sympa, moi j'ai trouvé. Elle était très jolie, vraiment très jolie. Merci de m'avoir choisie. Brune, des beaux yeux, des belles boucles d'oreilles, et elle était super sympa, rigolote et tout, hein, vraiment. En Picardie. J'adore la Picardie. Comment? Après le choix à poisson. À Nanterre, dans 92. Ah, t'es de Paris aussi. Ouais. On peut visiter? Vous nous emmenez? C'était pire en fait, je te rassure. D'accord. On a rangé un peu quand même là. Donc bah, c'est coloré, hein. Ça c'est la cuisine. Vous avez mangé avant de venir? Pas ce soir, non. Pas ce soir. Ça, c'est le confesse. D'accord. Ça, c'est la chambre des garçons et des filles, parce que maintenant, on est tous ensemble, tu vois. On fait la mixité, oui. On discute le soir, on est tout contents. Voilà. Après, t'as la piscine, et puis t'as le salon. Ah, je vais aller voir le jardin. Ouais. Alors, je sais pas si tu vois, mais il y a des poules. Ouais. Dans là-bas, le fond, là, dans le poulailler. Ouais, voilà, là-bas au fond, il y a des poules. Ouais. Bon, là, c'est un peu trempé, donc tu peux pas. Ah, je pensais que la piscine était beaucoup plus grande. Mais il faut du deux un peu, on est tous bruns. Non, c'est pas ça, mais c'est pas ça. Et la troisième, tu paries que la troisième était blonde? Non, elle était brune. Non, elle était brune. C'est pas vrai. Elle était super belle, c'est pas vrai. Tu déconnes. Elle était vraiment brune. J'adore les brunes. Mais elle va peut-être venir tout à l'heure. Non, mais c'est trop tard. Putain, j'avais raison de rester sur mon choix numéro 2. Ah ouais, je suis. Putain, oh! Tu sais quoi, j'ai même pas envie de choisir un que mec. Tu vois, je choisirais plus pour les meufs là. Bon, moi je suis bien. Mais moi, tu veux savoir, j'ai même pas. Je suis pas branlée. Première impression comme ça, ouais, j'ai vu deux blondes, j'étais un peu deg. Voilà. Première impression, deux blondes, deg. Mais après, bon, comme on dit, c'est pas. Faut pas regarder les apparences, après on verra bien quoi. On s'est fini qu'à beauté. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi dans le confesse? Va te faire foutre, pauvre conne. Qu'est-ce qui se passe? Embrouillée? Rien, elle me saoule, je vais la prendre. Qui ça? Elle m'a gavé. La meuf, je parle avec la meuf, elle vient, elle se met au milieu, je lui dis deux secondes, je parle, elle vient, je fais pousse-toi. Non, parce qu'elle cherche des amis. Bah ouais, ma mère, elle va jeter. J'en ai marre, tu sais, j'en ai vraiment marre, quoi, tu vois. Vraiment, elle m'a gavé, quoi. Franchement, tu sais, je supporte pas, je vais les grimper. Calme-toi. C'est bon. Ambiance. Ouais, je vois ça. Mais quelquefois, c'est un peu corsé. 1, 2, 3, 4. C'est normal, hein. De toute façon, c'est tous des caractères différents, apparemment. C'est vrai. Ah, bah voilà l'entrée. Laisse-la. Mon jambon. Comment ça faire la belle? Je suis en train de faire la cuisine. On a jamais personne à couper la conversation. Je suis en train de faire la cuisine. Je lui dis, si ça donne à quelque chose, tu vas dans la salle de bain. J'en ai rien à faire. Moi, je parle à elle. Toi, t'es pas là. Alors, occupe-toi de tes affaires. Je parle à elle. Non, je m'occupe pas de mes affaires. Je suis en train de faire la cuisine. Alors, va la consoler. Elle est en train de pleurer. Solidarité, ce qui paraît. Pourquoi c'est pas moi qui pleure? C'est toi qui parles de solidarité. Ouais, exactement. Ne te mêle pas de ce que tu sais pas. J'ai jamais fait la belle avec elle. Je suis en train de faire la cuisine. Ok. Je ne vais pas te faire la belle avec les filles. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis en train de faire la cuisine. Je me suis mêlée de rien du tout. Alors, si t'as un souci, t'as qu'à venir avec moi. Premier truc, Laurine a défendu les slides. C'est pas vrai? Ouais. Bon, allez, c'est bon. Je suis désolée pour moi, je m'en suis pris plein la gueule. Alors, quoi, moi, je ferme ma gueule. Elle a dit quoi, Laurine? Je suis désolée, elle nous a pas convenu la conversation, elle a pas fait la belle. Voilà. D'accord. Ah bon, allez, ça fait qu'il fallait prendre la 2. Vous les guisez! Attends, le confesse, il nous dit quoi? Sabine, viens le voir. Vous allez paniquer. Non, je pleure pas, mais je suis vexée, quoi. On demande de changer. On demande de changer. Moi, j'ai pas voté. Franchement, quoi. Je me sens vénère, là. Je me sens vraiment vénère, je suis gentille. Et les gens, ils marchent dessus et je commence à en avoir un peu plein le cul, quoi. Donc, je me sens vraiment très vénère. Je suis verte, là. Hein, j'ai les nerfs et tout. Je suis contente qu'il y ait des nouveaux gens et tout. Vraiment, je suis contente, quoi, de voir des nouvelles têtes et tout. Mais l'autre, là, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus d'être gentille et qu'on se foute de ma gueule. J'en ai vraiment marre. Ouf, c'est hoche, hein. Bon, ils sont maintenant 11 dans le loft. L'arrivée de Sandra et de Laurine a suscité bien des réactions. Nous verrons dans un instant comment s'est passée leur intégration. A tout de suite.
Retour sur le plateau de Steloristo. Ça marche pas avec tout le verlan. Hein. Les cinq garçons semblent parfois regretter leur choix. Il ne faut jamais juger avec ses yeux, mais avec son cœur. Mais malgré cette déception, certaines affinités se dessinent déjà. Félicien et Kamel ne peuvent s'empêcher de bizuter Sandra. Cette dernière a d'ailleurs fait une confidence très intime avant d'être taquinée par ce bon vieux Félicien. Attends, voilà. On a vécu cinq jours, une semaine, sept jours, tous ensemble. On a subi le départ de Marlène. Je veux dire, on était tous excités à l'idée qu'il y ait deux personnes nouvelles qui arrivent. Quoi. Ouais, mais qui nous mettent du... Non, mais c'est la réaction. Moi, je vais te dire franchement, pour l'instant, soit là ou soit pas là, c'est pareil pour moi. Moi, je crois qu'on peut pas les juger. Je juge pas, non, mais ce que je dis, je juge pas. Non, il me dit, je suis malheureux. Pourquoi ? De l'erreur qu'on a faite. Ils disent qu'on a fait une erreur. En même temps, on ne sait pas. On ne sait pas. Faut pas non plus regretter. Moi, j'ai dit, j'espère qu'on n'a pas fait une erreur. Je viens de dire au confesse. J'ai dit, j'espère qu'on n'a pas fait une erreur. Maintenant, voilà, quoi, c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, C'est comme ça, nous, pour les cumés, ça va être pareil. Hein, si font, moi, je ne veux pas les juger. Mais grave. Tu peux pas savoir. Par contre, je peux te jurer. Choisir des personnes avec une joie et je peux te jurer. Moi, je vais faire des questions. Surtout deux minutes. C'est trop basique. Vous avez voulu faire. Moi, je dis que vos questions, elles étaient trop esprit. Maintenant, moi, je vais faire. Tu sais qu'il faut dire blonde, de brune, tout. Faut la voir, faut décrire les personnes aussi. Parce que c'est bien beau leur truc intellectuel, tout ça, mais aussi l'aspect. Moi, personnellement, Laurine, je la trouve très mignonne, mais alors Sandra, je la trouve trop laide. Voilà. Bon, on a une question. Ouais. Vos orientations sexuelles. Homo ou hétéro, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ou bi. Pour l'instant, c'est vraiment hétéro. Ok, très bien. Ouais, moi aussi. Très bien. Bah écoutez, ce sont les choses qui arrivent. T'as pas peur d'habiller C'est les choses qui arrivent. Mais bon, c'est pareil, on est désolé. Claire tout de suite aussi. Ça ne dépare pas. Je suis toujours vierge. Non. Ah, c'est excellent, mais c'est comment tu le sais? Vous savez où? Toujours. Je dis comme ça, tout le monde le sait. C'est vrai. La que 20, j'ai de quoi? Mais c'est pas vrai. Mais moi aussi, my darling. On a deux Virgiles. C'est on a deux Virgiles. Excellent. Ouais, c'est génial. Je me cache pas de le dire. T'as quel âge? Comme ça, vous savez. J'ai 20 ans. Moi aussi. Et alors, je ne suis plus le seul vierge. Ah oui. Qui est vierge? Pourquoi? Et qui est vierge? Moi. On est deux. Je dis comme solidarité. Voilà. C'est génial. Oh, ben, t'inquiète pas, je suis unique, pas. Pas de problème, il n'y a pas de sexualité. T'es vierge au niveau sexuel? Ouais. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je te félicite. Franchement, bravo, quoi. Ouais. Et voilà, et Thomas, que dalle. Non, c'est bon, moi. Thomas, c'est ouf. Franchement, je t'applaudis. Ah ouais, moi je l'ai dit, hein, j'ai dit, t'as franchement, une meuf qui dit qu'elle est vierge, qui dit la vérité et tout, franchement, elle est en place. Qui est en place? Tu lis quoi? Parce que j'avais emmené plein de bouquins de théâtre pour qu'on fasse des trucs, moi j'adore le théâtre. Ah, c'est impeccable. Tu voulais qu'on fasse des mises en scène? La vie de ma mère, j'aime bien moi. On en avait plein. Fourberie d'escapade, nanana. Ouais, mais j'avais emmené Marivaux, j'avais emmené du Guitry. Pourquoi t'as pas? Pourquoi tu t'as pas emmené? J'ai eu le droit à ça. Ah bon, c'est parce que nous on fait plein de théâtre, mais c'est des improvisations. Ouais, mais c'est bien aussi. Je vais commencer à faire un théâtre, si tu veux faire avec moi. Et ça, il y a combien de pièces de théâtre là-dedans? Il n'y en a qu'une? Non. En fait, là-dedans, t'as la peur des coups, La peur des coups? Mais la peur des coups, c'est super drôle. Ça, c'est pour la pêche et soin, c'est super drôle. Ouais. C'est une embrouille, en fait, entre le mari et la femme. Ah, c'est de la boule. Le mari. Non, mais tu vas voir, c'est la peur des coups. Moi, j'avais que des belles notes, moi. En fait. J'avais 19, 20. Je me sens bien. Je suis arrivée, bon, ça a gueulé un petit peu au début, ça m'a surpris. J'ai vu déjà qu'il y avait des tensions, il y a des petits regards entre certaines personnes et tout ça qui sont... Enfin, on voit qu'il y a eu des petites choses, quoi, mais moi, je me sens bien. J'ai parlé avec tout le monde, plus ou moins. On le fait tous, là. Allez, ouais. Attends, faut attendre... Viens. Viens, on va faire le rythme du sommeil. Il y a des clous partout. Attention, il y a des clous. Ouais. Moi, j'ai pissé après. La danse du loft. La danse du loft. Prêt. La danse. Attends, tout s'en rend. Une ronde. Mais venez, vous pouvez jouer, c'est simple. Vous pouvez jouer. Il suffit de dis la phrase et nous, on répète. Voilà, c'est parti. Les grosses. Ouais, les pouces en avant. Les pouces en avant. Et tchik et tchak et tchik et tchak et tchik et tchak et tchak et tchik et tchak et tchik et tchak et tchik et tchak. Les pouces avant, les coups dans les coups du vent, 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 les coups
Oh la tête de moi, terrible. Attends, va là-haut, va presque pas dans mon lit. Vas-y maintenant. Non, arrête, je te défends, c'est comme ça que tu me traites. Enlève ton micro. Non, non, mais je m'en branle. Enlève ton micro. Un coup, vous commencez à se battre. Ne t'inquiète pas. Tu veux savoir, il y a un truc que je rêve depuis longtemps. Non, arrête. Franchement, viens dans mes bras. Pas la suite. Arrête. Il y a un truc que je rêve depuis longtemps. Vous savez qu'est-ce que c'est? Je suis malade. Non, arrête. Arrête. Dépêche. Je suis malade, mais qu'est-ce que tu... Aïe, aïe, d'accord. Et tu crois que c'est quoi en fait qui les a mis dans cet état par rapport à mon comportement, ma grosse gueule, mes tenues, tout ça? Ouais. Par rapport à tes tenues? Ah, c'est ça. Ouais. Les tenues, ta grande gueule. Tu vois? T'as plus ta gueule? Non, jamais. Moi, j'embête pas les gens. J'embête jamais personne. Tu vois, je veux dire? Donc, c'est de la légitime défense. Ouais, je te dirais même faire ma patin, tu restes normal. Ouais. Mais. Les tatoues. Voilà. Ouais. Mais ta tenue aussi, reste-toi. Mmh. Je veux dire. Bah ouais, t'as vu. Et de la pudeur. Enfin, comment dire, t'sais, tu peux te mettre à l'aise quand des gens te respectent. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Quand des gens te respectent pas, et de la pudeur. Vous faites la vaisselle à l'eau froide. Mes pieds. Franchement? Ouais. Ouais. Parce que l'eau chaude est à côté. Où? Au cellier. Faut aller en chercher? Franchement, non, tu laves à l'eau froide. Ça te dérange? T'as un problème de main? Non, ça va? Bon, alors tu fais la vaisselle. Tu me parles pas sur ce ton, ok? Ok, quoi? Tu me parles pas sur ce ton. Pour quelle raison? Parce que t'as pas me parler comme ça. Ah bon? Dis-moi une raison valable pour que je te parle comme ça. Il faut te donner tout dans le détail, ouais, à chaque fois. Parce que je suis une inconnue et t'as pas à parler comme ça. D'accord, je parle pas d'une inconnue, mais tu fais la vaisselle quand même. Alors, humour, décalage, 180 degrés, ok? Ouais, j'y dirai. Mais moi, j'ai pas voté pour toi, alors tu comprends que je sois déçu? Mais je m'en fous que tu... Je te voulais pas. C'est que de l'humour, tout ce que j'ai. Je m'en fous de ton humour. Quoi, t'en fous? De quoi? Et c'est bon, gros, oh, j'en ai assez d'une Angela qui me détruit tous les jours. J'en veux pas deux, là. Hein. T'as pas à dire de trucs comme ça, voyons. Bonne nuit, le peuple. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, tout le monde. Carine. Bonne nuit, les anges. Bonne nuit, les news, filles. Bonne Adieu. Nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu vois? Ça marche pas, la lampe. Si, tu vois? Ça, l'enregistre, c'est des micros. C'est pas des lampes. C'est un truc. Il y a plein de micros. Arrête, espèce de menteur. Il y a, mais... y a un emplacement pour mettre une ampoule. Ouais, mais est-ce que tu la vois, l'ampoule? C'est des micros. C'est pas un micro, n'importe quoi. Si, tu peux des fois, ils nous appellent, Benjamin. Arrête d'inventer. Non, des fois, ils parlent avec nous. Des fois, le micro est pas là. Des fois, le micro n'est pas là. Des fois, le micro n'est pas là. Non, je ne parlerai pas dedans. Vous me moquez de moi, là. Je te jure, prête ton micro. Ma parole. Je peux te l'enlever. Non. Je vais le brancher pour que tu puisses. Non, tu vas le brancher là comme ça, je vais pouvoir. Non, ma parole, pour une ma parole. Attends, des fois, il y a un micro, ils nous parlent, ils nous disent quoi? Ils disent, prenez les micros qui se trouvent dans le salon. Regarde, tu sais, c'est le micro. Et moi, j'ai le oui, bien, donc. Et des fois et ils nous disent, exprimez-vous. Et on le connecte là. Voilà, tu fais ça. Et tu vois, tu fais comme ça, regarde, tu fais. Oui, donc. T'as vu? Oui, donc. Lorraine est avec nous. Et là, tu pars. Je m'appelle pas Lorraine. S'il y en a une des deux qui me plaît vraiment, pourquoi pas tenter ma chance? J'ai rien à peindre, mais pour l'instant, je suis incapable de le dire. Mais franchement, je me voile pas la face, je suis un mec. Et franchement, s'il y a une fille qui me plaît, je vais la draguer. Je suis pas non plus. Je suis là pour des vacances, mais quand on est à vacances sur la plage, s'il y a une fille qui plaît, je suis un homme, point à la ligne. Ouais. Tu veux savoir un truc? Je suis jamais sorti.
Tu sais quoi, je n'osais pas te le dire, mais je m'en doutais un peu. C'est vrai. De quoi? De quoi? Je suis jamais sorti avec une fille. C'est vrai, je suis jamais sorti avec une fille. C'est vrai? Mais je me moquerai pas. Non, mais si. Si ça pour rien, je sais même, je sais même pas que c'est une fille. Ah oui? Moi aussi. Jamais embrassé une fille, rien, non. Moi aussi. Si vous... Jamais. Oh, je sais pas si je suis. Je sais pas si. Ah ouais. Je sais pas c'est quoi qui dérange chez Nana, parce que moi je suis jamais sorti avec une fille. Ouais, c'est quoi? Maintenant, je sais même pas qu'est-ce que c'est le fait d'embrasser une fille. Tu sais pas? Non. Mais nous, on est comme des corps, on sait pas une fille. Non, c'est pas. Ah ouais? Et on aimerait qu'une fille nous embrasse pour nous montrer ce que ça fait. Comptez pas sur moi, hein. Non, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour tester. Pourquoi? Est-ce que tu sais gratter le dos? Ouais, mais c'est pas difficile, hein. Ah, mais non, mais j'adore qu'on me gratte le dos. Alors, si tu peux me rendre ce service, je te jure, je te remercierai jamais. Tu peux me rendre ce service? S'il te plaît. Bon, mais tant pis pour toi. Sacré Félicien, il ne perd vraiment pas le temps ni le nord. Voilà pour cette journée. Je vous rappelle que vous pouvez suivre sur Internet le Love, bien sûr, 24h sur 24. Dans un instant, Caméra Café, on se retrouve pour notre résumé en 7 minutes à 20h40. En attendant, on se quitte avec le Love. À tout de suite. On va encore me reprocher de jouer sur les mots, mais on me demande un animal, donc j'ai marqué une humaine. Mais comme on va pas aimer, bah, j'ai marqué une souris blanche pour vous dire un animal, quoi. Une souris blanche, rapport au calme, ouais, elles sont en cage, elles bougent pas. Et l'adjectif, j'ai mis humaine, puisque t'as fait la vaisselle plein de fois. C'est déjà. Ça a rapport à gentil, mais je te sens plus humaine que gentille, pour l'instant. Tiens. Humaine, peut-être parce que j'ai appris à grandir dans une famille nombreuse, on est 11. Et ouais, c'est vrai, tout s'explique. Ouais. Non, mais comment, j'ai ma mère qui a 65 ans, mon père qui en a 70. Je pleure un petit peu parce que ma mère, elle me manque un peu. Mais non, ma petite poule. Ah, mais non. Mais non, faut pas que tu pleures, c'est un petit jeu, là. C'est un petit jeu, c'est rien, faut pas que tu pleures. Faut pas que tu pleures, on doit te battre à nous tous. C'est la seule qui a fait nuit blanche depuis qu'elle est arrivée, quoi. Même pas nous, on a réussi, tu vois. Donc, non, pas du tout. Non, mais c'est parce qu'elle repensait à ses parents. Moi, je comprends tout à fait. Merci pour elle. Madame, vous inquiétez pas, petit Christophe, on va bien s'occuper d'elle. Vas-y, à toi. Vas-y, à toi, laisse. C'est moi. Karine. Je trouve que tu ressembles à une douce petite biche. Ah, c'est mignon. Oh, je vais dire la même chose. C'est mignon, ça. Heureusement que j'ai pas mis ça, parce que j'ai trouvé que ça faisait un peu. Tu m'aurais été. T'es douce. Biche, peut-être, parce que. C'est pas pour sans aucune prétention, on me dit que j'ai des yeux comme je les maquille. Ah ouais, comme les yeux de biche, ouais. Et douce, bah, j'ai l'habitude de travailler avec des enfants handicapés, donc il faut pas être trop brute avec eux. C'est clair. C'est clair. Mais non. Après, non, mais elle fait la même chose que nous, c'est pas grave. Chiante. Fourmi douce. Une fourmi. J'adore un coup de fourmi. Parce que j'aime bien de faire le ménage. Non, mais même si ça le fait, c'est pas parce que je veux le faire.